Eh bien, heureux tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la toute nouvelle mise à jour de Fortnite qui va donc intégrer, en fait, simplement, c'est soutenir les créateurs. Voilà, on va pas essayer de blablater plus longtemps. Ça va permettre de soutenir un créateur que vous aimez bien. Et imaginons que vous êtes youtubeur ou un petit peu connu et que vous souhaitez faire ces démarches. Je vais donc tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à me soutenir moi. Je vous expliquerai tout ça juste après la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc, sur le Twitter officiel de Fortnite France, on a vu un petit lien. Nous sommes très heureux d'annoncer le programme Soutenir un créateur. Les créateurs peuvent s'inscrire dès maintenant jusqu'au 31 décembre. Gagner de l'argent grâce au soutien de vos fans en jeu. Bref, super simple, on clique sur le lien. Bref, pour ceux qui pensent que c'est pas trop fiable, vous voyez, c'est un Fortnite actualité. C'est le Fortnite France vraiment officiel. Bref, donc là, il nous explique comment on soutient. Et là, ils vont nous expliquer combien on gagne. Donc là, bref. Nous, on va cliquer sur la page d'événements. C'est juste ici, vous cliquez sur le lien qui sera juste ici. Ça va vous ouvrir un nouveau petit truc, vous voyez. Hop là. Donc, je vous conseille de traduire la page. Si vous êtes sur Google Chrome, ce sera plus simple à comprendre. Voilà, traduction en cours, blablabla. Créer, partager, appliquer, bref. Donc, combien on gagne vous allez voir, c'est juste écrit, juste là, cela. Comment les créateurs gagnent de l'argent. Donc, c'est hyper simple. C'est quand les autres vont acheter des V-Bucks. Comment on y participe, les gars. C'est hyper important. Il faut à régulièrement créer et publier du contenu Fortnite au cours des 30 derniers jours. Compte plus de 1000 abonnés sur au moins une plateforme sociale majeure. Donc ça, c'est hyper important. Si vous n'avez pas 1000 abonnés, malheureusement, ça ne sera pas possible. Compléter l'accord d'affiliation et respecter... c'est normal, quoi. Est capable de recevoir un paiement sous une forme supportée par Epic Games, PayPal, tout ça. Bref, on en parlera juste après. Alors après, il parlait des V-Bucks, vous voyez. S'il vous plaît, attendez, créateur modeste, le montant que vous gagnez varie en fonction du nombre de joueurs qui choisissent de vous aider dans le jeu. Par exemple, si vos supporters de jeu dépensent 50 000 V-Bucks, ce qui est énorme, ça veut dire 500 balles quand même, vous gagnerez 25$. Donc on gagne 5$ toutes les tranches des 10 000, je crois. 10 000 V-Bucks, donc ce qui est déjà pas mal du tout, on va pas se mentir. Et en fait, c'est pour remercier les créateurs d'aider les autres. Regardez, il s'agit d'un événement de durée limitée dans lequel, c'est limité par contre, hein, dans les créateurs acceptent de recevoir 5$ pour 10 000 V-Bucks. Bref, ça vous en pense, vous en foutez un petit peu de ça. S'il y en a qui veulent lire la FAQ, vous aurez juste à la lire. Nous, on s'intéresse à ça, vous faites appliquer maintenant. Vous êtes intéressé, vous faites appliquer maintenant. Hop là. Là, vous allez vous connecter. Je fais une nano coupure et on se retrouve juste après. Du coup, maintenant, vous allez cliquer sur appliquer maintenant, une fois que vous êtes connecté à votre compte. Vous allez rentrer votre chaîne YouTube. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous cliquez sur chaîne YouTube. Vous mettez l'URL, hop là, ajouter. Chaîne Twitch, hop là, vous mettez votre chaîne Twitch, vous faites ajouter. Super simple, bref, tous les réseaux sociaux. Hein. Donc, soit chaîne Twitch, Facebook, c'est là. Votre numéro de téléphone, vous aurez juste à l'ajouter. Vous tapez votre petit numéro, là, pour 2 secondes. Si vous n'en avez pas, mettez votre tête numéro de fixe. Après, donc là, English, bah, vous mettez français, nanana. Français, la région, bah, c'est là où vous habitez. La ville, là où vous habitez. Hein, de toute façon, là, j'ai besoin, c'est pas moi qui peux le remplir. Voilà, c'est à vous de le remplir. Sécurité supplémentaire pour votre compte. Est-ce que vous avez la double authentification? Oui ou non? Après, là, vous mettez oui, j'ai 18 ans. C'est important d'avoir 18 ans, sinon on ne peut pas faire de virement PayPal, tout ça. J'ai lu, j'ai accepté. Bref, une fois que vous aurez fait tout ça, toute cette petite démarche, vous allez aller sur votre boîte mail un ou deux jours après à peu près. Ils vont vous donner ce mail. Bonjour Cocteau. Bienvenue dans notre événement Soutenir un créateur de Fortnite. Nous sommes ravis de pouvoir célébrer votre remarquable création. Et maintenant, vous devrez obtenir vos préférences bancaires et vos informations fiscales ici. Ensuite, vous recevrez votre nom Epic et vous pourrez accéder à votre tableau de bord. Bref, après ils vont demander à vos fans comment se créer, comment je serai payé, voilà. Bref, du coup les gars, on se retrouve juste après pour vous montrer comment on va être payé, voilà, avec le compte bancaire, tout ça. Je fais une petite coupure et je vous montre ça juste après. Du coup, une fois que vous allez recevoir un petit email, bref, vous devrez remplir vos informations. Donc voilà, PayPal, votre moyen, donc compte bancaire ou PayPal, ça vous de choisir. Vous mettrez votre adresse email PayPal, tout simplement, je le ferai juste après pour pas que vous la voyez. Information, donc là vous direz, je déclare des revenus en dehors des États-Unis, voilà, tout simplement. Raison sociale, j'en ai pas personnellement. Nom associé identifiant du contribuable, j'ai mis Cocteau. J'ai une entreprise individuelle pour ma personne, après si vous avez rien, vous mettez aucun, voilà. C'est si vous avez une taxe sur la valeur ajoutée, bref, TVA, si vous avez rien. Votre adresse, pensez bien la mettre aussi. Là, je vous la mets pas, sinon vous allez venir chez moi, MDR. La ville, vous pouvez la mettre. Là, j'ai mis une ville au pif, les gars. La région, voilà. Bon, ça, c'est vraiment là où j'habite. Par contre, j'habite vraiment en Auvergne, les gars. Et après, la France, bref. Et après, vous faites envoyer. Je rentre les adresses et on se retrouve juste après. Bon, du coup, les gars, j'ai fait quelque chose. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. Au niveau de la taxe sur la valeur, donc, il y avait une petite case, là, juste ici, vous la voyez. Il fallait tout simplement remplir, soit une information fiscale. Bon, j'ai mis taxe sur la TVA. Et du coup, après, on nous demandait une identification de taxe sur la valeur ajoutée. J'ai mis 20%. Ça m'a tout rentré comme ça. Est-ce que c'était la bonne chose qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être bon.
En tout cas, je vous reverrai un mail si c'est bon. Normalement, ils vont me renvoyer un mail plus tard. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Déjà, c'est les plus grosses démarches. Après, ce sera hyper simple. Là, du coup, vous avez envoyé votre demande. Vous avez renseigné vos moyens de paiement. Maintenant, reste la chose la plus simple à faire, qui va être tout simplement d'avoir votre petit pseudo. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à m'ajouter. Ce sera sûrement Cocteau, du coup, l'identifiant. Vous voyez juste là. Ce sera Cocteau l'identifiant. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Il y aura sûrement un nouveau bouton sur Fortnite. Ça me ferait juste extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, c'était Cocteau. Des gros bisous.